Bonjour tout le monde, désolé pour la coupure abrupte de la dernière vidéo. J'ai oublié, comme la dernière fois, j'ai oublié de sauvegarder. Tout bêtement la partie, donc j'étais obligé de reprendre sur ma dernière sauvegarde. Dan, viens un petit peu aider ton pote. Grizzly, bah tu vas aussi méditer ton pote. Et vache, tu peux... Sam. Allô? Ouais, toi tu peux venir ici. Hein. Voilà. On va laisser faire ces petits jeunes. Il faut que je change mes zones. Il faut que je change mes zones pour que mes animaux puissent venir dans cette région-ci. Voilà. Je les avais bien entendu supprimés à l'époque. Ok, allô. Viens un petit peu plus près, s'il te plaît. Viens ici, derrière tes copains. Voilà, et puis maintenant, tu tires sur la petite machine, là. Ensuite, on continue. Herbivore, voilà. Carnivore. Voilà. Ok, on a fini le drone. Ça, c'est une bonne chose. On va tous se sentir un petit peu mieux avec un moral hyper boosté. J'espère. Voilà, je crois qu'on a, on a tour. Parfait. On va... Je vais quand même leur faire déshabiller. Attends, on va regarder ce qu'on peut faire. Déjà, ça, je vais y avoir besoin que vous me le mettiez, tout ceci aussi. Alors, je voudrais, anarchiste, tu vas déshabiller. Ensuite, on a, bam, viens déshabiller ici. Allô, déshabille. Toi, tu dois être déshabillé, tu dois être déshabillé. Allô. Regardez ce qu'on a de beau ici, les enfants. Regardez ce qu'on a de beau ici. Bon, elle n'est pas géniale, hein, mais... C'est une armure. C'est une armure. Déshabille et puis range ça. Parfait. On peut y aller. Ce que je vais faire, c'est... On va changer notre planning, déjà. Ah ouais, en plus, je suis plus bon, là. On va remettre dormir ici et ici. On va remettre du travail ici. Et un petit temps libre à cet endroit. Et on copie tout. Hein, copier. Il faudra avoir un bouton collé partout. Ça, ça serait sympa. Ok. On va un petit peu les suivre parce que je voudrais... Il n'y en a pas un qui doit aller là, non? Allô, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ok. Et toi, tu te déplaces. Ok, ben viens. Toi, tu dois être déshabillé. Tu dois être déshabillé. Bam. Viens faire ça. Non, pas du tout. C'est pas ça du tout que je veux. C'est de déshabiller le monsieur. Stop. Ça, c'est une carabine quoi? Biocodée? Non, elle n'est pas biocodée. Donc, toi... d'ailleurs... Non, vous allez transporter les morts. Comme ça, ça ira plus vite. Tu transportes le mec qui est mort. On ira plus vite comme ça. Sinon, on va... Bam, tu transportes. Toi.
tu transportes. Ah ouais, toi tu vas ranger ça. Ok, c'est pas un problème. Ensuite, toi tu... On va faire comme ça. On va pas s'ennuyer. On va faire ça le plus vite possible, comme ça on est tranquille. Ok, toi ensuite tu viendras... ça se déshabille, ça se déshabille. Donc tu prendras celui-ci, toi. Après, tu déshabilles. Vrai. Ok, toi, quand t'as fini, tu me déshabilles celui-ci. Je sais que ça va pas vous faire beaucoup de bien, les petits gars, mais... Pas trop, d'ailleurs. Enfin, on va y arriver, hein. Ça, tu dois être déshabillé ou pas, toi? Tu dois être déshabillé aussi. Allez, on continue. Anarchiste. Non, il y a plutôt déshabillé celui-ci. Et puis on verra. Bam. Déshabille. Ok. Alors, toi, je crois pas que tu dois être déshabillé, matériel. Non. Transporte. On va les laisser rentrer. Oh, il est l'heure. Faut qu'ils aillent dormir. Alors, toi, tu vas venir m'embêter. Je sens que tu vas venir m'embêter. Alors, quand je dis que tu vas venir m'embêter, c'est que tu es capable de vouloir me prendre des manteaux, des pantalons, des chemises, des chapeaux, et qu'est-ce qui resterait? Dès qu'on a fait le tour, et encore ici, des trucs comme ça, on ferme aussi, parfait. On connaît trop bien nos copains. Alors, toi, t'as bientôt fini. Tu vas te déshabiller, Marshall. Toi, tu vas te déshabiller, pas sûr. Toi, tu dois être déshabillé ou pas? Oui, tu dois être déshabillé. Allez, t'avances. Qu'est-ce qu'il fait, mon âme? Il se promène? Quelle bonne idée. Bam. Il reste plus grand-chose, mon petit. J'en ai encore un autre à l'autre bout de la planète, mais... Allez, va finir ça. Thank you.
Allez, t'as plus que celui-là allez, à rentrer. Toi, tu vas me rentrer des choses importantes, c'est ça. Voilà. J'en ai plus qu'un en bas et puis c'est bon. Alors, j'ai encore ça. Interdire ces deux-là. Interdire. Et je crois qu'on a fait le tour dans les fringues, dans les vêtements. Dan, mon ami, tu voudrais que tu récupères le fusil. Ça, c'est un quoi, ça? C'est un pompe automatique, bon en 91%, c'est très bien pour moi. Tu me ramènes ça, s'il te plaît. Bon, là, tu te décides à prendre quelque chose. Ne me dis pas que tu es venu te promener comme ça pour... juste pour dire bonjour, si. Oui. Et si tu fais des conneries comme ça assez souvent, je crois que je vais... Ok, on commence à avoir des sérénités. Mais bon, j'en ai rien à faire de ta chirurgie, monsieur Baker. Hein? Bon, ça on a fini. Ça on a fini. On a un vendeur de produits exotiques. Est-ce que je l'ai toujours? Je n'en sais strictement rien. C'est notre toujours un. Jean, que me fais-tu? Tu déshabilles Glacis. Glacis, Glacis, il est là-bas. Ok. Et puis tu ramènes ça. Voilà. Parfait. Planning. Ah oui, avec lui qui pouvait aller dehors. Hein? Ok. Decker, tu peux aller dehors. Vas-y. Dan, anarchiste. Allô, Maker. Non, pas Maker. Et vache. Voilà. Alors. Comment vivent mes petits personnages ici? C'est ça qui est important. Tu manges un plat. Ok. Donc maintenant, il est 18h pour toi. Mais tu n'es pas du tout en bonne santé. Donc, il va falloir que tu ailles dormir. Donc pour le moment, toi, Dan, on va te mettre comme ceci. Voilà, tu fais ce que tu veux. Moi, j'irai même dormir un peu à ta place, d'ailleurs. Au moins 3h. Anarchiste, tu as aussi besoin d'aller dormir. Anarchiste, et le troisième c'était Allo, je suppose. Allo, c'est la même chose. Pardon. Et Allo, on le colle également. Je pense que tous les autres doivent être en bien meilleure santé. Peut-être Libellule un petit peu aussi. Qui va faire la même chose. Libellule, je te copie ce petit truc là, hein, en attendant. Comme ça, tu vas te sentir mieux tout de suite après. Toi, tu es bon. Toi, tu es bon. Maker, il est bon sans problème. Et vache, c'est très bien aussi. Ok. Bon, le boulot, là, est fait. Maker, continue à nous faire nos petits boulots. Est-ce que j'ai modifié ici ça? Non, j'ai pas modifié. Par contre, j'avais vu que j'avais pas fermé la porte, donc j'ai fermé la porte aussi, bien sûr. On va partir demain matin en... On va partir demain matin. Donc, ces trois petites choses-là, on va les interdire, sauf lui. Pour qu'on le remballe, hein, parce qu'il sert à rien de rester là-bas. Okay. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant? Tous ces trucs-là. On va les désinstaller. Voilà.
faut que j'autorise un intramuros. Étendre une... Hop, hop, hop. Intramuros, j'ai besoin qu'on puisse venir. Plutôt en tout. Tout. Viens ici. Et par contre, ignore... Ça me plaît pas trop. On se rappelle la dernière fois comment je me suis fait avoir. Alors, on a des pierres, on a une centaine de... Qu'est-ce que tu fais? Ok. Déjà les pare-balles. On a encore plein de pierres ici. Ah, on va vérifier qu'il n'y a personne qui puisse venir me bouffer non plus, mais... Alors, herbivore... Et... Ça, je veux pas que tu me le bouffes, mon petit. Les carnivores, les uns, les herbivores in. Ensuite, intramuros et herbivore intramuros. Par contre, là, l'herbivore intramuros, il peut venir jusqu'ici. Herbivore intramuros. Et ici aussi. Étendre une zone. Herbivore. Carnivore. Carnivorine. Herbivorine. Intramuros. Intramuros. Allez, on roule. Alors, ici, il faut que je dise, je crois que c'est Grizzly seulement qui peut me faire le truc. Je vais modifier ici. Je voudrais que ce soit Decker. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ici. Alors, c'est tout travailleur au-dessus de 6. Au-dessus de 6. Il manque juste 1% à Grizzly, mais il va vite se le prendre comme ça, de cette manière-là. Ok, on va également augmenter et faire quoi d'équerre. Transporte chapeau de merde, pardon. Le cowboy en cuir, je suppose que c'est un mort, bien sûr. Comme un idiot, bon. Je l'ai mis ici, hein, les trucs de mort. Donc, ici, c'est OK. J'en ai pas oublié d'autres. Des chapeaux, c'est vrai que les chapeaux, j'y ai pas pensé. Je ne crois pas que je les ai faits. Donc, des chapeaux, est-ce que vous en avez encore? Je n'ai pas envie qu'on me les transporte. N'en a pas l'air. Non. OK. Truc de mort, on s'en fout. Alors, on va faire partir. Toi, tu prends quoi? Tu transportes un mort. Oh, ben, c'est une bonne idée, mec. Bon, ça va. Alors, est-ce qu'on est prêt ici? Non, on n'est pas prêt. Il me faut désinstaller ceci. Et on va regarder aussi nos animaux. Finalement, ils ne sont pas rentables. Mais on en a besoin, des dromadaires pour l'instant. Mais ils ne sont pas rentables. Ils sont rentables en eux-mêmes. Le problème, c'est qu'il y a les parents à nourrir. Et les parents, ça coûte cher. Les parents, ça coûte cher. Ça coûte à peu près 30. Pour 28 jours, ça vous coûte 30. Voilà. Et ça vous en rapporte 6 par jour uniquement pour les femelles. Donc vous en perdez 24, hein, quand même. 6 par jour, donc 6 fois 28, donc 120 et 48, 168, divisé par 6, qu'est-ce qui se passe? On s'en fout. Alors, je suis très content de toi, mon ami, tu as très bien fait de faire ça, et tu peux continuer. Alors, anarchiste, as-tu terminé ta séance de relaxation? Non, t'en as vraiment besoin. Ok, 4h du matin, Decker, tu n'es pas debout.
Non, on va attendre. On va attendre. On va attendre. Tu polis un mur, ma. 5 heures du matin, tu t'en vas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Alors, on va faire. Monde. On va essayer de faire ça proprement. Hein. Donc, pour faire une belle caravane, nous allons sélectionner notre ami Decker, qui est ici. Et il va prendre avec lui, je veux que tu me prennes les 4 plats simples ou 2 plats simples. Et je veux que tu prennes 4 plats raffinés. Je veux que tu en prennes 2 d'ici. Et 2 d'ici. Voilà. Les plats simples, c'est pour les animaux. On choisit. Pardon, les articles. Je n'ai pas fini dans mes articles. Je veux que tu prennes avec toi un lampadaire, le sac à coucher et la batterie. Et c'est tout ce que j'ai besoin que tu me prennes. Ouais. On va choisir le trajet. On vient ici. Pardon. Ici. Non, c'est pas... Voilà. Choisir un trajet et on accepte. Ah, je peux pas transporter autant, donc on va enlever la batterie. Voilà, on fait accepter. Voilà, et on va zoomer dessus et on va regarder notre ami travailler, faire tout ce qu'il a besoin de faire. Et au moment où il va partir, voilà, il a fini. Qu'as-tu sur toi, mon ami? Donc on voit bien qu'il a les 2 plats, les 4 plats, le lampadaire, le sac de couchage. On va ajouter maintenant 2 animaux. On va prendre ceux-ci, ils sont très bien. Donc je veux que ce soit Alt. Je t'ajoute. Et donc, Decker, tu viens charger la batterie dans la caravane. Ensuite, on rajoute un deuxième animal. Le deuxième animal, c'est celui-ci. On ajoute à la caravane. Et avec 2, je crois que c'est bien. On va regarder Decker, voir s'il a l'occasion de le faire. Voilà, il court après un mec. Alors, j'ai pas envie qu'il court au bout comme ça. Donc, je vais les enlever tous les 2. Voilà, comme ça, Decker a l'occasion de les ramener. Je les ajoute tous les 2 de nouveau à la caravane. Ou à l'autre. Le dromadaire ajouté à la caravane. Voilà. Comme ça, tout le monde est dans la caravane. Decker a pu mettre son petit truc et on le laisse partir. Ok. Bon, 41 degrés, c'est reparti. Les enfants, on peut de nouveau faire tout pousser. Et on peut même venir récolter tout ça. Donc, on va faire architecte, ordre, récolter. Parfait, on gagne un petit peu de temps parce qu'on... On démarre seulement le 7 à peu près. Ok, lui il est déjà parti. Ah, j'aurais pu prendre des vêtements avec, j'ai oublié. Tant pis, c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Il n'y a plus trop de morts qui se promènent, donc... Ah, hein, t'as été mettre le dernier mort. Par contre, j'aurais voulu que tu me prennes un petit truc avec toi, mon ami. Tu peux pas faire ça? Regarde. Petite carabine ici aussi. Ouais, priorise ça, s'il te plaît. Ok. Bon, libellule occupée
de me faire tout ça, c'est bien. On vide correctement ceci. Ouais, j'espère. Alors, on va aller préparer le terrain de l'autre côté. Donc, pour ça, on va diminuer un tout petit peu. Et on va venir regarder ici. Ici, on rentre à l'intérieur. Je peux pas voir. On va y être, hein, de toute façon. On sauvegarde, c'est bien. Alors, on y va. On se rend sur les lieux. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je veux miner. Ordre. Miner. Tout ça. J'ai mis les trucs déjà en or. D'or, c'est fait. Ça, c'est fait. Et l'autre truc qui reste à... est d'ici au bout. Donc, on va... Quelle heure est-il? Il est midi. Il est midi. Je pense qu'on peut commencer. On commencerait peut-être ici, je crois. Non? On a les 6 et puis on revient mettre notre matos là-bas ou pas? On peut aussi... Ouais. Alors, vérifions nos zones tout d'abord. Les zones, elles sont... Animaux. Alors, animaux, je ne le veux plus là-bas, bien entendu. Animaux, je te vire de là. Zone 1, c'est quoi? C'est ça ici. Donc, zone 1, toi, je t'enlève. J'ai besoin que les gens puissent venir ici. J'ai besoin qu'on puisse venir ici. Voilà, comme ça, on prend l'or et tout le bidule. J'ai besoin que tu puisses venir à l'autre truc d'or qui est ici. Voilà. Et ici, on va faire un peu plus grand. Voilà. Enfin, je ne veux pas que tu viennes en zone 1. Voilà. Et as-tu d'autres zones 1, mon ami? Tu ne sembles pas en avoir d'autres. Ça, c'est zone 1. Animaux, on va t'ajouter. Animaux, ben, je veux les animaux, on va pas les mettre trop loin, on va les mettre ici dans le coin. Voilà. Ici, ils sont parfaits. Sauf qu'on vient d'ici, donc on fait tout le tour comme ça. Donc, on va créer d'abord la base, on va la supprimer de là-bas. On va mettre pour le moment étang de zone de base ici alors. Voilà. Je mets ici la zone de base. Et je mets aussi les animaux au même endroit. Donc animaux, ben vous venez ici les gars. Ici vous serez très bien. Et on envoie des animaux dans animaux. Ok. On va supprimer animaux. Excusez-moi, hein, je retire animaux d'ici. On va les envoyer là-bas d'abord. Donc... Planning, base, il n'y a que là, c'est parfait. Alors, on veut que Decker me fasse, je ne souhaiterais pas qu'il me fasse un nettoyage, je veux qu'il me fasse que du minage, je te descends à 5. Ok. Donc logiquement tout le monde va venir se promener là-bas. Ok.
pont au-dessus, ça va, tout le monde dort. Je vais te changer ton planning. Je vais mettre tout en temps libre. Ça tirera au max de tes capacités. Voilà. Voilà, comme ça, quand il a vraiment besoin d'aller dormir, il aura à dormir. Quand il aura vraiment besoin de faire des balades, se relaxer, il ira se relaxer. Je pense que c'est la meilleure solution à faire pour l'instant. Donc, Becker, ah, c'est où l'éruption? C'est ici, donc je m'en fous totalement. Ok, Becker vient déjà ici. On va venir comme ça, hein, parce que je veux tout d'abord que tu descendes ton matos. Tu vas descendre le lampadaire et le sac de couchage. La lampe, tu l'installes. Merci. Bon, ici, ça sera parfait. Et le lit, tu l'installes ici aussi. Mais comme je n'ai pas encore les animaux, ils sont pas encore là, ils sont où mes animaux? Bien entendu, j'ai dû faire une erreur ici. Vous êtes toujours dans un mauvais endroit. Non? Il n'y a pas d'autres animaux là. Marée bouche, ils ont juste pris leur temps quoi. D'accord, merci les gars. Alors, très attention, si vous gardez un truc comme ça, ben mettez-le au bon endroit. Il vaut mieux le supprimer au départ. Soit en mettre un, soit ne pas en mettre, mais le mettre au bon endroit, bien entendu. Bon, tous mes gens là-bas dorment. Maintenant, on va un petit peu aller voir leur planning, parce que je me demande si je n'avais pas changé des trucs, moi. Le planning, ouais, j'avais changé des trucs, hein. Donc, 77, 82, vous êtes tous dans des trucs normaux, 86, il est 14h, 87, 97, 95, donc tout le monde me semble en parfait état. Je vais donc copier ceci et je vais les retransmettre aux autres. Comme ça, tout le monde est de nouveau en parfait état. Je n'ai plus de courant. Pourquoi est-ce que j'ai plus de courant? Une éruption solaire, c'est un solar flare, ça? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, sympa, ça. Hein, ouais. Eh ben, ce qui devait rester ici va pas tenir longtemps, je crois. Hein. 49%, là, t'as combien, là? Prêt à récolter. D'accord, bon, ils vont aller récolter, alors. Logiquement, ils vont récolter. Combien de temps ça va durer, cette saloperie, là? On va voir, hein. Ils me font tous un sacré chemin, je trouve. Ils viennent par ici, au lieu de venir par ici. Je suis occupé de me demander si je n'ai pas un petit problème de zone ici pour les herbivores. Je vais autoriser tout ce passage-ci parce que j'ai l'impression. Donc quand ils viennent prendre, je sais pas comment ils me le font. Je sais pas comment ils font ça. Alors, on verra bien. Monsieur Decker, c'est à votre tour cette fois-ci. Vous avez presque fini. Aha. Vous allez dormir là ou quoi? Non, je crois que... Qu'est-ce qui reste? Il y en a encore un ici. Parce que là, soit je mets le truc, soit je le mets pas, quoi. Mais c'est pas trop long dans les machineries, donc on va te laisser finir. Et on va te faire tout reprendre.
On va le finir comme ça. Allez. Allez, mon ami. Oh, pardon. Ah ben, on va le finir comme ça parce que... Alors, comment on fait? On revient dans, pardon. On zoom. On crée... on crée divers. On se fait une zone de chargement de caravane. On va la mettre là. Et je veux les 6, 1 et 4. Par contre, je vais d'abord créer monde. Je forme une caravane avec uniquement d'équerre, avec des articles. Comme ça, j'ai les plats sur moi, c'est pas les bébêtes qui vont les manger. En plus, j'ai oublié de lui donner la possibilité de les manger, à notre pauvre ami. Et tu prends les 6 composants. Tu prends également le sac de couchage. Et il me manque l'ampoule, là. D'accord. Donc ça, il faut pas que je l'oublie. Je dis que je viens ici, je fais OK. Et je fais accepter. Je descends. Je zoome. Je récupère l'ampoule. Voilà. OK, stop. Si, il va me rassembler encore ceci. Stop. On va attendre que le bruit soit fini. Ensuite, on vient ici, on l'ajoute à la caravane. On prend celui-ci et on l'ajoute à la caravane. Voilà, ils vont pouvoir partir. Et on va espérer qu'ils vont du bon côté. Oui. Je pense. Ouais, allez, on s'en va. Ah, on va pas du bon côté. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est stopper ça. Donc toi, on t'enlève de la caravane. Toi, je t'enlève de la caravane. On va changer nos zones. Zone, je veux enlever la zone de la base d'ici. Voilà. Je veux enlever ceci. Je vais enlever les animaux d'ici. Je vais enlever la zone 1 d'ici. Je vais ajouter une zone d'animaux. Alors, il est 16h, donc il va faire noir. Donc, je vais mettre la zone d'animaux. Une zone d'animaux ici. Voilà. Je vais mettre la base ici, et je pense que c'est tout. Donc j'envoie base et animaux. On vérifie juste que base et animaux n'est plus dans ce coin là. Donc base on n'a plus, zone 1 on n'a plus, animaux on n'a plus. Ok, c'est parfait. On demande aux animaux de se rendre à animaux, et on demande à planning d'aller à base. Ok, donc tout ça, on va enlever tout le monde de la caravane. La formation de la caravane est annulée et je demande à Decker de venir ici. Parfait, les animaux devraient suivre logiquement. Exact. Ensuite, il faut que je le mette en plat raffiné, bien sûr. Sinon, c'est pas gentil pour lui. Et on peut très bien mettre notre base donc ici et puis descendre ici après, hein, c'est pas un problème. Donc, on a déjà 6 composants, c'est pas si mal. J'ai 120 ici. Petit bidule. Ok. Oui, je vais pas très vite là. Hein.
Bon, stop, arrête-toi, mon ami. Tu vas descendre tout ton matos. Tu me descends la lampe. Tu descends les plats, les composants et le sac de couchage. Tu me mets le sac de couchage ici tout de suite. On va le mettre là. Tu vas me mettre la lampe. Tu vas installer plutôt ici. Donc, je veux que tu me fasses ça. Je veux que tu mettes la lampe. Et tu peux manger. Alors, j'ai un petit pépin avec mes animaux. Mes animaux n'ont rien à foutre ici, sûr et certain. Voilà. Par contre, toi, tu vas me descendre ce qui te reste, par exemple, la batterie. Et on va demander à ce que la batterie soit positionnée sur un terrain qui convient. Et donc, mes cœurs. Ensuite, tu vas me mettre ceci. Et puis, tu iras sans doute, à mon avis, dormir. Tire-toi, ne mange pas mes trucs. Hein? Voilà, il est parti dormir jusque demain matin. Donc, logiquement, il devrait, quand il se lèvera, eh bien, il pourra faire ceci dans la lumière. Pourquoi tu n'es pas allumé ? Pourquoi n'es-tu pas allumé? Parce que il faut que je te reconnecte. Reconnecter. Pourquoi tu fonctionnes? Ah oui, non. Il y a une éruption solaire ici. Et on est toujours aussi en éruption solaire là-bas. Sympa. 5 heures. Tu vas me tuer tout, comme d'habitude. Voilà, il reste 9. Je perds de nouveau mes racines de vie. Je perds 8 racines de vie. C'est un plaisir. Vous en êtes où, messieurs? Ma 33. C'est pas possible, quoi. Je perds toutes mes racines de vie, la moitié de la production encore. Ah, arrête-toi. Hein. Ah. Et il fait de nouveau 51 degrés. Bon, on va devoir tu me casses les bonbons, hein, mon petit. Tu me casses les bonbons. Au 20. 17. Bon. Incroyable. Ouais. Allez, messieurs, dames.
plein qui ont déjà disparu. Voilà, j'ai perdu toute une superbe... Ah. Hyper chiant, hein. Bon, on a tout perdu. On a tout perdu. Ici, je ne veux plus de coton. On va remettre du plan d'œil. Plan d'œil. Incroyable. Il m'en veut véritablement. Randy, il ne veut pas que j'aie à bouffer, ça c'est sûr. Hein. Regardez ça, on est le 7 septembre. J'ai perdu tout ce que j'avais ici. Pour le moment, j'ai récupéré 2 patates en tout et pour tout. Quoi. Enfin, 11 patates, si on peut dire. Voilà, 11 patates. C'est tout ce que j'ai pu récupérer en tout et pour tout. Et ma mission, c'est pour qui? C'est pour un anarchiste. Bien. Oh, ça va revenir quand même, le petit gars. Alors, anarchiste, tu as faim, mon ami. Tu vas venir manger un petit plat. Ça va te faire du bien. Viens manger un plat raffiné, mon petit. Même si tu vas le manger sans table, à mon avis. Les belles grises qui sont occupées d'homme. Ça va durer longtemps comme ça, mon... La petite éruption, hein? Vache, quoi. Chauve, tu en es où? Tu as faim aussi, toi. Mais tu as 100% ici. Elle va faire autre chose. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'elle est passée, mon Ambroisie? Un animal qui a dû la bouffer, et je sais pas comment je me suis fait avoir aussi de nouveau avec ça. Ok. Mais est-ce qu'il y a encore de l'inanition? Je ne crois pas pour le moment, ça va. Dan est parti chercher quoi? Dan est parti chercher ceci, c'est bien. Alors. Percepteur dommage, voyou, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Alors, enfin, c'est reparti. Eh bien, ça m'a tué correctement. 12 heures, je suppose, 12 ou 13 heures. Ça a suffi pour tout détruire. Ok. Bon, Decker, montre-moi un peu ce que tu nous fais ici. Eh bien, c'est parfait. Tout fonctionne bien. Toi, je peux te laisser travailler à ton aise. Tu iras faire ton plaisir quand tu en auras le besoin. Inanition, Allo et Grizzly, maintenant ça devrait aller. Libelle, je ne sais pas, mais pour moi, ouais, ça va, tu fais du plaisir. C'est déjà fini? On va vérifier quelle... Que l'on n'a pas trop rêvé, 46-46%, ça fait beaucoup, méditation pour elle, 50, voilà, elle s'ennuie, vous voyez, donc là, normalement, elle se tire de son truc, ok, elle manquait sérieusement de, bon, les petits gars, est-ce que je peux savoir pourquoi Dan t'est occupé, ça va, on a fini la recherche, les portes automatiques sont terminées, on va faire de la production de médicaments. Alors, on a une nouveauté. Qu'est-ce que c'est? Des dromadaires se joignent à nous. C'est où? C'est ici. Animaux. Alors, vous allez venir dans animaux.
Eh bien, c'est parfait. Eh bien, c'est parfait, ça. Enfin, un petit peu de bouffe, quoi. Alors, pour le moment, je te laisse faire. En parfaite santé, mon ami. Tout le monde mange ici. Je vais mettre Dame et l'autre. Il faut que je leur enlève leurs habits. Surtout Dame, qui, comme je le vois, m'a fait quelques petits bidules. Alors, encore une petite naissance. On va buter quelqu'un, je crois. Ah. Font sous de ma gueule, quoi. Maintenant j'ai une éclipse, donc de nouveau tout ça, ça pousse plus. Normalement pendant les éclipses, si je ne me trompe pas, c'est qu'il n'y a plus de lumière. Vous voyez, ça descend, voilà. Il n'y a plus de lumière, donc ça ne pousse plus. Nous sommes le 8 septembre. Septembre. Eux ils quittent, oui, ça va. Bon, tout était bien refait tout de suite, c'est parfait pour moi. Hein. Eh bien, on va continuer à essayer de survivre dans ce truc qui cherche vraiment à me faire des pépins. Bien entendu, tout s'est rallumé ici. Je n'ai absolument pas besoin. Ici, pour l'instant, je n'ai pas besoin non plus. Ok. Est-ce qu'on a terminé? À mon avis, on n'a plus de... On n'a plus assez de cuir, je pense. 54, je n'en ai plus assez. Ok. On va buter quelque chose, à mon avis. Alors, animaux. 52 jours. Donc, les mâles, je les remets par les... Par mâles et femelles. Voilà, comme ça, je vois mieux clair. Je vois plus clair. Est-ce que je les buterai tout de suite, les petits? Je crois pas. Non. Les petits, vous devez les garder jusqu'au moment où ils passent à l'âge adulte, 28 jours. Une fois qu'ils sont passés à l'âge adulte, vous les butez. Le seul truc, c'est que je sais plus quel est le nom du... J'aurais voulu tuer la dromadaire à la chamelle. Ah! Autre chose. Bon, où est-ce que vous êtes, les gars? Vous êtes là-bas? Si tu arriveras à temps, mais stop. Jean vache, voilà, t'arrêtes, c'est bon. Allez, Jean. Comment est-ce que tu t'es fait buter comme ça, mon pauvre vieux? Comment tu t'es fait buter comme ça? Bah, et allô, allô, et ouais, bah ça va. T'as rien reçu? Bah oui, puisque Jean, le pauvre Jean, il veut pas se battre. Morsure. 8 points, hein, la morsure, quand même, hein. Wow, 16 points qui s'est fait prendre. Alors 4-8, il y en a eu en plusieurs endroits à la fois. Tu m'as pas raté, hein, mèche.
Tu m'as pas raté, mec. Bon, puisqu'on a perdu tout ce que je voulais avoir ici, 12 racines de vie, il nous en reste pas des tonnes. C'est quand même 10. Bon, le chauve, tu vas aller dormir dans ton lit. T'as quoi? Tu fais quoi? Le chauve. Que veux-tu faire, le chauve? Tu es parti te reposer. Parfait, c'est bien. On va quand même te mettre... Je veux plus... Je vais essayer d'avoir tout le temps avec les herbes, mais c'est pas... C'est un peu dommage, quoi, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, je viens soigner le chauve. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chauve, t'es quand même avec qui, toi? Le chauve. Social. C'est ta femme, quand même, ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'est plus là? Ah, si, elle est toujours là. Et Decker, oui, Decker, il est parti. Allez, on continue à tourner. Voilà. Alors là, j'ai un petit pépin. Vous voyez, c'est que là, je ne suis plus dans la lumière. Il est 11h, c'est ensoleillé, mais... Bien entendu, il y a une éclipse. Donc, je suis embêté avec ça. Il y a trop de trucs. On va réinstaller et réinstaller la lampe. On va faire ça, essayer d'aller vite. Je vais me dire que c'est justement à ce moment-là que... Ouais. Parce que c'est quand même un bon bout de temps pour que ceci se passe. Alors, voilà, oui. Ok. Va beaucoup plus vite de cette manière-ci. Mon ami anarchiste, qu'est-ce que tu as fait, anarchiste? Tu as nettoyé de la saleté à cette heure-ci. Tiens, tiens, c'est qu'il n'y a plus rien à transporter pour toi? Toujours des chèques. Est-ce qu'il y a encore des trucs à transporter? Je pense que nos amis ont fait le travail. Parfait. Donc on va... Alors, ça c'est le dromadaire 10. Toi, je te bute. Pourtant, là, on a encore des trucs à récupérer. Hein. On va aussi récupérer peut-être tout le reste ici. Non, il y a encore des trucs à ramasser. Il y a encore plein de trucs à ramasser. Si je n'ai plus rien d'intéressant. Bon, ben on va ouvrir tout. Hein. On va ouvrir tout. Et encore un flingue là qui m'intéresse. Fusil de précision. Ah ouais. Pour le moment, on laisse comme on est là. C'est pas la peine. Si j'en mets trois à la fois d'ouvert, je n'aurai pas les trucs principaux d'abord. Par exemple, lui, il transporte une carabine de survie. Ouais, c'est bon. Jean, tu as été très bien soigné. Eh bien, tu vas pouvoir te lever alors. Hein. Tu dors encore? Il est quelle heure là? Ça, c'est parce que je t'ai mis en repos. Donc, pour le moment, tu es en travail. On va lever ceci, on va le fermer. Qu'est-ce que tu mets? Tu reposes. Ok. Donc, travail. Ça, c'est pas le repos d'ici. C'est le repos quand on est blessé. Vous voyez, se coucher pour des soins. Se coucher pour des soins d'urgence et patient recevoir des soins. Je suis dans la médicale pour recevoir des soins. Oui, et... Bon, on va le laisser comme ça pourtant. Mais bon, il n'a qu'à rester au pieu. Il n'a pas grand-chose à faire de toute façon, lui, c'est pas...
Bon, mes batteries, elles peuvent plus. Elles ne peuvent plus se remplir pour l'instant. Comment ça recommencer? Je n'ai plus de batterie. Bon, on va ouvrir celle-ci de batterie, heureusement. Activer. Merci. Viens ici. Parfait. Alors, si on voit qu'on n'a pas assez de jus pour que tout ça fonctionne, que ça se vide trop vite, je vais dire. Donc là, il n'y a plus de vent, il n'y a plus de soleil. Capsule de cargo. Alors, où est-ce que c'est? Mais ça, c'est une bonne idée, mon ami. Tu vas pouvoir prendre des pommes de terre avec toi. 200 pommes de terre, ça fait quelques repas. On a presque fini ici. Attends, minute d'équerre. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un truc ici. Et un truc là-bas, je crois. Où j'ai déjà fait. Et un truc là-bas, ok. Bon, ben va dormir. On va dormir. Oh, un copain. Ouais, faut aller le buter, lui. Là. Et tu retournes dormir, c'est parfait. Et on a 6. On va prendre ces 6 là. Alors par contre, j'en ai plein d'autres ici. Tout ça, je vais les j'aurais voulu les interdire. Donc pour les interdire, on va simplement enlever la zone ici. Donc je ne vais pas prendre ceux-ci avec moi pour le moment parce qu'ils sont trop loin à transporter, vous voyez. Il y en a 2, 4, 6, 7. Est-ce qu'il y en a d'autres dans ce genre-là? Alors, j'ai toujours mon éclipse, dis donc. 16h. Et vous voyez que l'éclipse, elle est ici, elle est de l'autre côté aussi, en même temps. Vous allez me dire, c'est normal, non, c'est sur toute la planète. Bah oui. Non, sur une partie de la planète, puisque suivant l'endroit où on se trouve, on verra le soleil ou pas. Bon, ceux-là dorment tous. Quête disponible. L'escouade du danger. Encore des mécanoïdes. 3 étoiles. 2 centipèdes. 3 faucheurs. 1 lancier. 1 piquier. 1 occultateur solaire, bien sûr. 1 cellule de puissance instable, 2 morceaux empoisonnés, 2 vaisseaux écrasés, 2 balises de largage, 2 assembleurs de mécanoïdes, des tourelles de mini-projectiles, des tournelles inferno et des tourelles blaster. Tu te donnes quoi pour ça? 178 plastaciers. Une épée plasmique bonne et une glande blindante. Épée plasmique, ça fout le feu, mais les mécanoïdes, le feu, ils connaissent pas. Et la glande blindante, elle me donne beauté moins 2.
et je n'ai pas encore de quoi le faire. Je trouve, et en plus, ah, ça outpouste 1. Attends.